Bienvenue à vous dans ce nouveau vlog Weight. On est parti pour une nouvelle semaine dans mon parcours perte de poids. Donc je vais vous partager toute ma semaine. Je suis désolée pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Moi j'ai tout simplement très peu filmé. J'étais à fond sur ma formation. Par contre de ce côté là j'ai hyper bien avancé. Et j'étais tellement focus dessus entre ça et mes enfants. J'ai complètement délaissé ma caméra. Mais cette semaine je vais me rattraper. Je vais vous partager toute la semaine. C'est les vacances, je suis avec mes enfants. Mais je vais commencer par m'organiser pour faire ma liste de menus pour la semaine. Et faire mes courses du coup en conséquence, et on va commencer par ça. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Je commence déjà par faire un petit point au niveau de mon frigo pour voir ce qui me manque et ce que j'ai déjà. Pareil pour mes placards, je regarde ce que j'ai, genre les lentilles corail, ça fait longtemps que j'en ai pas faites alors qu'elles sont là, elles m'attendent dans le placard. Là j'ai de la purée aussi qui serait peut-être temps que je fasse. Je vois que j'ai plus de pâtes. Enfin voilà, je fais un petit point au niveau de ce qui me reste dans mes placards, dans mon frigo. Et même dans ma salle de bain. Je note au fur et à mesure sur ma petite liste, une liste de courses indépendante des menus. Donc avec tout ce qu'il faut penser à acheter régulièrement. Parce que sinon j'oublie si je n'ai pas cette liste. Et donc là du coup je vais noter par exemple donc l'anti-corail, alors je crois que c'est super bon avec du coco et du poulet. Et ça fait longtemps que je me dis que je vais faire ça. Mais à chaque fois je tente pas parce que quand je fais quelque chose de nouveau, mon chéri il mange pas. Donc voilà, mais il faut quand même que je les utilise. Et je sais pas comment faire ça à part en plus des repas. Donc je vais faire un repas comme ça, l'anti-corail coco. Et voilà, en fonction de ce qui me reste dans mes placards, dans mon frigo, j'établis mes menus pour la semaine. Enfin là, je vais faire pour 2 semaines vu qu'on est en vacances avec les enfants. Et d'ailleurs, je vais me servir d'eux aussi pour m'aider à remplir ma liste de menus pour qu'ils soient contents aussi des menus à la maison. Hein, par exemple, la purée, on peut la manger avec quoi, les enfants? Des pois chiches. De non. La purée avec des pois chiches? Non, de la carotte. Non. Carotte? Non, purée carotte. Des saucisses. Des saucisses, voilà, purée saucisses. Et je vais prendre toutes leurs idées de repas aussi pour faire des menus. Non, à part le kebab, pour faire des choses qui leur plaira. Voilà, faritas, donc je note faritas, voilà. Et ma patate avec légumes. Légumes, tu veux des légumes, ma chérie? Tu veux quoi comme légumes? Des carottes. Des carottes. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on peut faire carottes? De la sauce tomate avec des carottes dedans. De la sauce au sucre. De la sauce au sucre, n'importe quoi. De la sauce, mais pas piquante. De la sauce rouge, mais pas piquante. De la sauce rouge, donc c'est de la sauce tomate alors. Oui, mais pas piquante. Voilà, donc des pâtes à la sauce tomate avec des carottes. Oui. Voilà, donc nous avons un menu et je vais continuer comme ça. Je vais faire tous mes menus de la semaine. Couscous avec de la sauce tomate avec des carottes et du poulet. Oui, en couscous, ça peut être bien aussi. Et aussi des... Voilà, et une fois que j'ai tous mes menus, je vais faire mes courses de mon canapé. Je vais commander directement sur Auchan Livraison et je me ferai livrer en fin d'après-midi. Voilà, donc pour ce midi, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Du coup, j'ai sorti les restes pour ce midi. J'avais fait une préparation toute simple à base de thon, œufs et mayonnaise allégée. Et du coup, on prend les restes là avant de faire les courses, donc avec des pâtes. Lunettes de soleil, t-shirt fin octobre, tout va bien. Bref, donc là je suis allée gonfler les vélos à côté de chez moi, c'est gratuit. Et on va aller à la foire pour amuser les enfants un petit peu. J'ai mangé, je sais même pas combien j'ai mangé de churros, j'ai pas compté. Je dirais 4 ou 5. Je crois que c'est dans les 100 calories le churros quand même. On va faire light ce soir. Là, au moment où je vous parle, nous sommes actuellement 9990
sur cette chaîne YouTube. Ce qui veut dire que les 10 prochains abonnés vont nous faire passer les 10 000 abonnés. C'est trop bien, je suis trop contente. J'attends ma livraison. J'ai mes courses qui vont pas tarder à arriver à la maison. Et je me suis un petit peu posée pour vous parler parce que mine de rien, bah, y a un vlog qui a sauté. Donc y a plein de choses que je vous ai pas partagées. On va commencer par la pesée. Je me suis pesée ce matin. Je vous ai même pas partagé la pesée en ouvrant le vlog. Ça m'est sorti de la tête. Donc j'ai repris un petit peu de poids. J'ai repris 800 grammes. C'est pas méchant en soi. Mais cette semaine, je vais essayer de les perdre quand même, pas de les reperdre, de retomber à la pesée de la pesée mensuelle qui était le 6 du mois dernier. Et je voulais vous parler aussi de mes objectifs perte de poids parce que j'ai réactualisé ça. J'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps. Ça faisait un moment que j'hésitais en fait parce que initialement mon objectif c'était 77 kilos. Ça a toujours été mon rêve. Pourquoi 77? J'ai pas vraiment de réponse à vous apporter par rapport à ça parce que c'est pas stratégique ni rien, c'est juste que le 7 c'est mon chiffre préféré. Et je me suis toujours dit, j'ai été obèse toute ma vie et je me suis toujours dit, oh là là, mon rêve, un jour je ferai 77 kilos. C'est vraiment mon rêve depuis que je suis ado en fait. Et puis il y a quelques mois de ça, c'était vers la période de Noël de l'année dernière, je m'étais dit, écoute, pourquoi pas viser encore plus loin. Et là du coup je pensais plus à un objectif esthétique pour le coup, je voulais être mince. Voilà, je voulais être mince et je sais très bien qu'à 77 kilos, je serais pas mince. Et du coup, je m'étais dit, ok, je vais essayer d'aller jusqu'à 69 kilos. Et finalement, je me dis que courir après la minceur, déjà, c'est pas un truc que je veux continuer à faire. Et courir après un chiffre, non plus. Puis d'ailleurs, je commence à être un petit peu gavée à force, à faire 3 ans. Bientôt 3 ans que j'ai commencé mon parcours perte de poids et... j'ai envie de me détacher aussi des chiffres, mais je vais d'abord finir ma perte de poids. Mais bon, pour ma perte de poids, du coup, je vais revenir à mon objectif initial de 77 kilos. C'est déjà pas mal. Puis en fait, je pense que ce poids-là de 77 kilos, il va plus me correspondre à mon avis hein, que le poids de 69 kilos parce que j'ai été obèse toute ma vie, j'ai eu 2 enfants, j'ai 32 ans. Enfin voilà, je peux pas non plus faire ce que je veux de mon corps et... je pourrais être mince vraiment comme moi je le vois. Je sais que je pourrais le faire. Mais à quel prix? Enfin, si c'est pour me mettre en gros déficit calorique, vraiment me coller un régime en fait pour atteindre mon objectif, que je sais pertinemment que je ne tiendrai pas sur la longueur, donc pour reprendre mes kilos derrière. Et puis pour me priver au passage, moi qui suis vraiment une très grande gourmande, il est hors de question que je me prive à choisir entre me faire plaisir tous les jours ou être mince. Je préfère me faire plaisir tous les jours. Enfin voilà, j'ai pas envie d'arrêter de vivre non plus pour des objectifs esthétiques en fait. Puis franchement, maintenant je me sens bien dans ma peau. C'est sûr que j'ai pas le corps de mes rêves, hein. Je vais pas vous mentir. Mais je me sens tellement mieux en fait, de manière générale, quoi, au niveau de ma santé, au niveau de mon bien-être, au niveau esthétique aussi. Ça n'a rien à voir évidemment avec quand je faisais un poids de plus de 120 kilos, quoi. Puis je pense que le dernier shooting photo là, il m'a pas mal aidé aussi en ce sens. Déjà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai passé un super bon moment. Et en fait, quand j'ai vu les photos derrière, je me suis dit, mais t'es pas grosse en fait. Moi, je suis pas mince, c'est sûr, mais y a rien de choquant en fait visuellement. Je peux m'accepter comme ça, quoi. Comme je suis aujourd'hui, je peux m'accepter comme ça. J'ai pas le corps de mes rêves, mais je trouve rien de choquant en fait. Je suis ronde. Mais je me trouve pas grosse en fait. Donc visuellement, ça ne me dérange plus actuellement là où j'en suis. À part toute nue, hein, parce que ça c'est pareil. Autant habillée, je me trouve bien maintenant. Autant à poil, c'est pas la même histoire. Hein. Mais de toute façon, même en étant mince, je sais très bien que ça changera pas. J'ai beaucoup de peau en trop. Enfin, j'aurai jamais le corps dont je rêve en fait. Donc ça, je sais que je dois en faire mon deuil. Et aujourd'hui, ma priorité c'est quoi? C'est l'esthétique ou c'est ma santé? C'est ma santé, donc je vais aller jusqu'au bout de mon objectif de 77 kilos. Celui-là, il n'y a pas de souci. Enfin, je fais 1m62 comme je suis petite, donc 77 kilos, je pense que c'est jouable. Il me reste plus que 4-5 kilos là pour y arriver, donc on va à fond jusque-là. Mais après, 77 kilos, ça va marquer la fin de ma perte de poids, quoi. En tout cas, moi, de ce que j'essaye de faire vis-à-vis de mon poids. Maintenant, je sais que derrière, j'ai encore du boulot au niveau de mon alimentation. Elle est loin d'être assez saine, en fait, mon alimentation, à mes yeux. Je pense que j'ai beaucoup de choses à améliorer pour ma santé. Donc, vu que j'ai pas encore trouvé mon équilibre alimentaire, ça fait à faire 3 ans que je le cherche. J'ai bien avancé, mais j'ai pas encore, mes petites habitudes alimentaires vraiment installées ou quoi. Je me cherche encore un petit peu de ce côté-là, côté alimentation. Donc, c'est pas impossible que je continue à perdre un peu de poids derrière. Moi, le seul effort que je vais faire de mon côté, en fait, c'est de maintenir ma perte de poids, c'est de ne pas reprendre de poids. Donc, je ne sais pas si ça va me demander beaucoup d'efforts ou pas,
Mais en tout cas, ça, je vais essayer de le faire. Donc, la stabilisation en elle-même. Évidemment, si les kilos continuent à s'en aller en me faisant plaisir tous les jours, je vais pas refuser, mais c'est pas un objectif que je vais chercher. Je vais pas courir après un chiffre. Je vais pas essayer de perdre du poids. Je vais jusqu'à 77 kilos. Et après, je vais essayer de ne pas reprendre de poids, tout simplement au niveau du poids, quoi. Après, voilà, je vais encore changer des choses au niveau de mon alimentation. Mais côté poids, voilà, je vais m'arrêter à 77 kilos. C'est l'heure des courses. Je descends pour aller m'acheter une canette de coca, alors que j'ai reçu les courses il y a genre une heure. Comme quoi, hein, j'ai beau ne pas en acheter, quand j'en ai vraiment envie, je sais où aller chercher. Ma drogue. Et je termine avec un burger, parce que flemme de cuisiner encore une fois, de chez Prozis, que j'ai jamais goûté encore. Voilà. Donc c'est... Je sais même pas à quoi c'est. Ce matin, le compteur YouTube s'est affiché à 10 000. Wouh ! Je suis trop contente, je vais faire une vidéo directe. Bon bah là, ce midi, ça va être purée saucisse, pour le plus grand bonheur des enfants. Parce qu'on est allé chez le médecin ce matin et on vient de rentrer, il est 11h30, donc j'ai pas vraiment le temps d'aller cuisiner des légumes, tout ça. Purée saucisse, c'est très bien. Bon, bah ce midi, c'est purée saucisse, hein, du coup. Donc j'ai pris une chipo, de la purée, voilà, il y a une petite consistance, j'ai pas pesé. Hein, et un peu du gruyère râpé par-dessus. Yes, I do the cleaning, yes, I do the cooking. C'est tout l'inverse pour moi aujourd'hui. Je fous rien, je suis en mode grosse feignasse sur mon canapé. Ma fille, elle s'est endormie, elle est KO. Mon fils, il est tranquille dans sa chambre. Et du coup, je suis en mode, mais feignasse. Pourtant, il va falloir que je m'y mette, c'est le dawa chez moi. Il faut que je fasse le ménage. En plus, j'ai plein de trucs à nettoyer. Le canapé, là aussi, il faut que je m'en occupe. J'ai plein de trucs à nettoyer dans la maison. Il faut que j'en profite, c'est les vacances. Mais en même temps, les vacances avec les enfants, c'est pas tout repos. Hein. Mais bon, quand je fais pas marcher mon corps, je fais marcher ma tête. Et en vrai, je pense avoir compris... Pourquoi je bloque en fait pour... Je sais pas si vous avez suivi tout mon parcours perte de poids, mais j'avais un palier psychologique là, à l'approche des deux chiffres. Et ça me fait le même en ce moment. Parce que là, dans ma tête, du coup, je sais que j'arrive au bout, mais pas au bout d'un objectif dans ma perte de poids. Au bout du bout du bout, à l'objectif final, 77 kilos. Waouh! Et en fait, il y a plein de trucs qui me bloquent, dont je commence à prendre conscience. Déjà, j'ai la peau en trop. Parce que ça me gêne de plus en plus. Et plus je perds du poids, même 1 kilo, plus je le ressens. Ensuite, il y a la peur de réussir. Ça, j'en ai conscience. Je pense que c'est ce qui s'était passé aussi à l'approche des deux chiffres. Bah, quelque part, je me dis que je le mérite pas. Ou... Enfin, je sais pas. Si, je le mérite quand même. Je sais que j'ai fait des efforts pour. Mais je sais pas, j'ai peur en fait. J'ai peur d'arriver à la fin. J'ai peur de bah, d'y arriver, tout simplement, de réussir. C'est bizarre quand même, très bizarre. Enfin bref, et il y a un truc aussi, ça j'en ai parlé dans la vidéo, du coup ça y est, je vous ai fait la vidéo, je vous la mets au-dessus pour vous remercier. Et d'ailleurs, allez la voir parce que je vous dis pas juste merci dedans, je vous invite à poser vos questions pour lancer une FAQ prochainement. Et j'essaie de vous sonder un peu, enfin vous pouvez aussi répondre ça sous cette vidéo d'ailleurs, de savoir bah, qu'est-ce que je vais faire après. Parce qu'il y a cette question aussi, c'est que bah, je vais peut-être pas faire des vlogs toutes les semaines, toute ma vie en fait. Je vous partage ma perte de poids, mon parcours perte de poids, mais une fois que mon parcours perte de poids sera terminé, donc ce qui approche à grands pas, normalement, à moins que je bloque et que je vous fasse un vlog toutes les semaines pendant des mois en mode j'arrive plus à perdre. Je suis en phase de... Je suis en stagnation, genre pas du tout. Hein. Je me prends un petit truc à grignoter à droite à gauche pour ne pas perdre mes kilos surtout, ouais. Ben, je sais pas ce que je vais vous partager. Après, il y a cette nostalgie-là aussi de me dire que mon parcours perte de poids, il était censé être long. Et en fait, il est passé plus vite que ce que je pensais. Et je me retrouve à la fin ben, un peu comme une con. C'est-à-dire que ben, une fois que c'est fini, ok, je vous partage quoi? Ma stabilisation, d'accord. Mais j'ai pas fait, moi, un régime restrictif ou quoi. Je m'attends pas à avoir une stabilisation genre hardcore ou quoi. Enfin... J'aurai des choses à vous partager, mais pas indéfiniment, en fait. Je pense que je ferai un point pesé tous les mois. Je vous partagerai des journées dans mon assiette, vous montrer un peu comment je mange au quotidien. Je vous ferai quelques vlogs aussi, parce que c'est cool.
et peut-être pas tout le temps. Et bref, du coup, bah, le fait de me dire que j'arrive à la fin et après, bah, j'aurai plus mon parcours perte de poids à vous partager, ça me rend triste. Bref, et en fait, tout ça, bah, je pense que ça me fait, ça me crée des blocages psychologiques qui font que je me mets des barrières toute seule pour ne pas aller au bout de ma perte de poids. Ou alors, on fait une petite pause et on reprend plus tard. Oh, j'en ai marre. Bon, j'ai pris ces petits palmiers au beurre pour les enfants et finalement, c'est moi qui mange. C'est l'heure du goûter. Je suis assommée parce que j'ai dormi toute la journée. Enfin, dormi. J'ai pas dormi, en fait, mais j'ai passé ma journée dans le canapé. Enfin, l'après-midi. Bref, donc là, je vais à la danse, faut que je me réveille. J'ai mis une tenue. Aujourd'hui, j'essaye de me mettre en brassière. Donc, j'ai choisi cette brassière et ce legging. Ah bon, on voit de dos, là. Voilà. Hop. Go. C'était trop bien. Moi, je l'ai fait, hein. Brassière, legging. Franchement, ce qui me gêne, c'est mon ventre, quoi. Sans ça, je serais trop bien. Et sinon... Ouais, je me suis arrêtée prendre un coca. Bon, ce soir, c'est ce que mon chéri a cuisiné. Donc, c'est des spaghettis avec des sardines cuites dans une sauce avec des oignons, des tomates. Pas mal d'huile aussi, j'avoue. Alors pour ce midi, c'est pavé de saumon que j'ai cuit à la vapeur avec les haricots verts et du quinoa, donc cuit dans l'eau tout simple. Donc il n'y a aucune matière grasse, si ce n'est bah, celle qu'il y a déjà dans les aliments comme dans le poisson. Le saumon, c'est un poisson qui est très très gras mais qui est très bon pour la santé. Et la sauce hollandaise que j'ai rajoutée, qui celle-ci est industrielle, mais je trouve que c'est quand même une assiette bien équilibrée, je suis très contente. Moi aussi. Bon, j'ai décidé de reprendre le comptage calorique pour perdre mes derniers kilos. Parce que ça a bien marché au début et que bah là, finalement, je me trouve un peu bloquée, on va dire, par des freins psychologiques dont je vous ai parlé hier. Et voilà, j'ai du mal à me bouger, en fait. J'ai du mal à me bouger les fesses. À moins d'avoir un coach à côté de moi qui me bouge, il faut que je me trouve un cadre, en fait. Donc, c'est vrai que le comptage calorique, ça m'aidait beaucoup à me cadrer de ce côté-là. Donc, je reprends l'application Yazio à partir d'aujourd'hui. Et voilà, on va dégommer les 4-5 derniers kilos, là. On y va. Ouais, il est temps, je traîne trop, franchement. Bref, il fait encore beau aujourd'hui. Ça fait plaisir, mais c'est inquiétant quand même, parce que c'est pas normal pour une fin de mois d'octobre, à l'approche d'Halloween, avoir un gros soleil comme ça, pouvoir sortir en t-shirt dehors et tout, c'est quand même assez spécial. Hein. C'est pas hyper rassurant, quoi, même si moi, j'adore le soleil. Bon, on va sortir. Faut qu'on aille à la bibliothèque, parce qu'on a fini tous les livres. Parce que bah, comme je lis des histoires à ma fille le soir et que mon fils adore lire aussi, c'est un grand lecteur, bah, du coup on va à la bibliothèque régulièrement pour changer les livres. Donc on va faire ça et je vais aussi passer à la boutique africaine. Je vais vous montrer cette fois-ci, je vous ai pas montré mon gros retour de course parce que bon, y avait trop de choses en fait, clairement. Et puis en plus j'étais pas super contente parce que j'ai eu plein de produits de substitution, on va y arriver Hello. Et autant des fois ça me dérange pas. Autant quand il s'agit par exemple de mon thé menthe intense, vous me connaissez, je suis fan de ce thé, j'en ai pris 4 pour faire 2 semaines, je me dis 2 boîtes par semaine, c'est à peu près ce que je consomme, je suis une grosse consommatrice de thé. Et non, ils m'ont donné du thé menthe pas intense et je suis pas contente. Voilà. Mais il faut que j'aille à la boutique africaine, apparemment il va y avoir une rupture de riz là bientôt, c'est vrai ça ou... Parce qu'il y en a un à la maison, ils mangent que ça du riz. Donc je vais aller chercher le gros paquet de 20 kilos, les livres. On va passer à la boucherie aussi, parce que c'est pareil, au drive, je trouve pas... Y a, enfin, tout ce qui est volaille et tout, il n'y en a plus au drive, en livraison, oula, ça. Tu vas y arriver, Hello. Donc, il faut que je passe à la boucherie, prendre de la viande. Enfin, il me reste de la viande rouge, mais j'ai plus du tout de volaille. Et je fais plein de recettes, moi, à base d'escalope de poulet, escalope de dinde, cuisse de poulet, enfin, voilà. Donc, je passe à la boucherie et à la boutique africaine, après être passée à la bibliothèque. Je veux qu'on reste longtemps à la bibliothèque. Tu veux qu'on reste longtemps à la bibliothèque? Il adore ça. Il adore ça. Et sinon, aujourd'hui, il n'y avait rien de spécial. J'ai même pas avancé sur ma formation. Aujourd'hui, j'avais du ménage. Bon, entre les enfants, le ménage, vous savez, on nettoie. Et puis, 2 secondes après, c'est encore sale. On adore. Bon, bah déjà, j'ai pris un coca, hein, sans grande surprise. Le riz, bah, je prends celui-là. Donc, 20 kilos, 44 euros, je crois. J'en ai eu pour 80 euros en tout à la boutique africaine. À la boucherie, j'en ai eu pour 30 euros. Je vais tout vous montrer, du coup. Donc, voilà, 44 euros, je crois, le riz. Alors, à la boucherie, du coup, moi, j'ai pris des épices, là, de l'ail en poudre et du gingembre.
Il y a le prix dessus. Et voilà, 30 euros. Donc, bah, j'ai pris des escalopes comme ça de poulet. Et des pilons de poulet. Les pilons, il y en a 14. Et à la boutique africaine, j'ai pris des bananes plantains. C'est devenu hyper cher. 3 euros la banane plantain, s'il vous plaît. Et je sais pas pourquoi il y a cette couleur rouge, orangée. J'ai jamais vu ça, mais bon. J'ai pris un attiéké aussi. Enfin, c'est de la semoule de manioc. Et je prends aussi le shampoing pour ma fille là-bas parce que je le trouve super bien. Voilà, ma fille qui a les cheveux crépus, je précise. Et il manque un truc, je crois. Ah oui, voilà, je prends aussi le Magie chez eux que je mets dans quasiment tous les plats. Dans sa maison, un gros cercle, quand on dit à la parvenir à lui, et frapper un fils. Ouvre-moi. Voilà mon assiette ce soir. Donc j'ai deux pilons de poulet, de l'attiéké et de la sauce tomate fait maison. Et je termine avec un petit fondant au chocolat et une petite boule de glace. C'est la Häagen-Dazs vanille, noix de pécan, macadamia. Ouais, c'est ça, je crois. C'est trop bon. Ok. Je vous présente tout droit sorti de Disney, la Reine des Neiges. Tout va bien. Ce midi, c'est les restes, donc pavé de saumon avec quinoa et sauce hollandaise. Et ça me va très très bien. Il manquerait juste un peu d'haricots verts, mais c'est très bien aussi comme ça. Ah, et du coup, j'ai regardé aussi pour les calories, donc je vous mets ça ici. Bon, je me suis pris un coca, hein, encore. Et ce soir, c'est une belle grosse assiette de pâtes bolognaises. Enfin, c'est des boulettes de bœuf, là. Avec de la sauce tomate que j'ai préparée avec de l'huile. Et j'ai rajouté du gruyère râpé. Et je vous mets à côté, du coup, le détail calorique. Et je vous mets aussi le total de la journée. Voilà, voilou. Hello. Je me suis apprêtée en rose aujourd'hui. Et je me suis éclatée avec ce petit gilet que j'ai nettoyé à la machine en mode fragile. Mais qui est ressorti rapeti et un peu abîmé. Enfin bref, il a pas trop aimé le lavage en machine. Et du coup, bah, j'ai fait ça avec. Et je trouve ça sympa. Je vous montre, je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà, j'ai attaché comme ça devant. Voilà comment ça fait derrière. Je me suis fait un petit thé à la menthe, comme tous les matins, avec du sucre. Et je bois beaucoup d'eau le matin aussi, ça faut le savoir. Avec quelques gélules de moringa. Je sais pas si elles m'aident en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie en ce moment qui peuvent expliquer le fait que je me sente quand même plus en forme si on compare à avant. Et le fait aussi que j'ai failli tomber malade à deux reprises et que finalement, non. J'en prends 5 maintenant. Donc je sais pas si le moringa a aidé ou pas, mais c'est vrai que bon, bah maintenant je travaille de chez moi. Même si là, c'est pas tout repos avec les enfants, franchement, ils sont pas faciles en plus là. Enfin, hier c'était compliqué, mais bon, c'est sûr que mon rythme n'a rien à voir avec, avec il y a quelques mois quand j'étais professeure des écoles, j'étais épuisée. Je sais pas si le moringa aurait été efficace dans cette période là. Bon, en même temps, j'en prends pas de grosses doses non plus. Et ça ne peut pas me faire de mal. Mon bracelet. Tu veux que je mette mon bracelet? Oui. Ok. Tu vas réussir à me l'attacher? Oui. C'est bon, t'es contente? Oui. D'ailleurs, je voulais faire la vidéo là FAQ que je vous ai promise et que je vais vous faire, c'est sûr. Mais avec les enfants, j'arrive pas à trouver un moment. Sauf pour les vlogs comme ça, parce que bah, tu filmes une minute, deux minutes, ça va. Mais pour une vraie vidéo où bah, il faut que tu arrives à te trouver une heure au moins, quoi, pour filmer en tout cas. Et avec les enfants, c'est compliqué. Donc, je sais pas comment je vais faire. C'est vrai que pendant les vacances, c'est chaud quand même de faire des vidéos quand je suis avec les enfants. Faudrait que j'allume Marine Light un de ces jours quand même et que j'essaie de voir si ça rend assez potable une vidéo comme ça. Je pourrais filmer le soir une fois que les enfants sont couchés. C'est une idée, mais il faut vraiment que je teste et je pense pas que la Ring Light soit assez puissante pour ça. Mais bon, après si je teste pas, je pourrais pas savoir. En fait, je l'ai utilisé une fois, ma Ring Light, c'était pour un live sur Instagram. Voilà. Bref, en tout cas aujourd'hui j'ai prévu de sortir parce qu'on a 2-3 petites emplettes à faire. Donc on va prendre le vélo et on va aller jusqu'à Auchan.
J'ai plus de fiche Bristol jeune. L'avantage, c'est que j'avance bien sur ma formation quand même. Papa, on n'a pas de bonbons à la maison. Bref, il faut que je me bouge. C'est parti. Et en vélo, on fait comment pour trimballer un truc pareil? C'est lourd? Ouais, je crois que c'est celle-là. Parfait. Donc on s'est arrêté au flunch. Moi j'ai pris du poisson pané avec des frites. J'en ai pas pris beaucoup, ça va, je suis raisonnable. La sauce, il n'y en a pas beaucoup non plus. En boisson, j'ai pris un iced tea parce que c'est moins calorique. Et par contre, le dessert, là, je me fais plaisir. Une petite tartelette aux framboises. Je sais pas pour vous, mais moi, ce qui me dérange le plus, en fait, je trouve ça dommage, c'est tout ce sucre là gélatineux. En plus, c'est ce qu'il y a de plus calorique. C'est pas bon. Franchement, ça sert à rien de mettre tout ça. Enfin, après, c'est mon avis, chacun ses goûts. Hein, mais... c'est dommage, je trouve ça trop... ça gâche tout en fait, au niveau du goût. Hein. Même si en plus c'est plus calorique, du coup j'essaie d'enlever. Le plus grand magasin de jouets du monde. Mm-hmm. Et j'ai rêvé que j'étais là-bas et que je pouvais faire ce que je voulais. Bon bah j'avais pris deux petits gilets avec moi, un pour moi, un pour ma fille. Mais vraiment on n'en a pas besoin, il fait chaud. Et j'ai fait quelques petits achats, j'en ai eu pour 30 euros, je vous montrerai ça dès que je rentre à la maison. Mais l'avantage c'est qu'on est en vélo. Donc ça freine quand même les dépenses un petit peu parce qu'on peut pas trop être chargé. J'ai eu chaud, j'ai transpiré. Bon, on vient de rentrer du coup, petit retour action. Un ballon, un mini skate. Du slime. Et les enfants adorent ça, c'est une sorte de pâte gluante. Touche pas parce que c'est... si tu veux, mais faudra te laver les mains après. Je vais pas toucher, voilà. Hop. C'est, comment dirait mon fils, satisfaisant. Et ça fait... D'accord. Alors, je voulais prendre de la pâte à modeler, moi, à la base, sauf que le lot de plusieurs pots, c'est hyper encombrant, et en vélo, c'était juste pas possible, donc à défaut, hein, deux petits pots. Un rose, un jaune. J'ai pris du papier de cuisson. Voilà, plusieurs feuilles. Des sacs réutilisables avec deux formats, 1 litre et 3 litres. Vous savez, c'est les sachets qu'on referme là. Avant, je prenais tout le temps à Ikea, ça. Sauf que là, c'est la deuxième fois que je prends à Action et je les trouve pas mal, en fait. Je crois qu'ils sont moins chers, en plus. Voilà, avec des... voilà, refermables comme ça. C'est sympa. Ça me sert, c'est très utile. Oh, des feutres ardoises, ça c'est pour le tableau dans la chambre de ma fille, parce qu'il n'y en a plus, en tout cas qui marche. Des petites chaussettes pour ma fille, elles sont toutes douces. De la peinture, parce qu'ils font beaucoup de peinture mes enfants, du coup il n'y en a presque plus. Des bonbons pour Halloween, voilà, pour tous les enfants qui viendront toquer à la porte. C'est lundi ou... 31 octobre. Ah mais c'est quand? C'est lundi, hein, ouais. C'est ça. Et pour finir, je me suis pris ce petit plaid. Oh, j'adore, c'est tout doux. Qui était à 12 euros, je crois. Enfin bref, j'adore. J'adore, il est grand. Tout doux, j'aime trop. J'adore la couleur, ça brille. C'est... ah, j'aime trop. Et voilà. Wouh. Ce soir, c'est crêpes. Donc, petite galette complète. Jambon, fromage, œuf. Avec une demi-tranche de jambon. D'habitude, j'en mets une, mais bon. Là, j'avais coupé les tranches en deux. Bah oui, les courses, ça devient cher, que voulez-vous. Donc un œuf, d'ailleurs je vais m'éclater avec le jaune, c'est vraiment ce que je préfère dans la crêpe, c'est le jaune d'œuf cru comme ça, c'est... ça change toute la crêpe, je mets un petit peu d'herbe de Provence dessus, du sel, je vais me régaler. Petit coca. Oh la tête que j'ai. Ce matin, je me lève, j'ai trop faim. C'est hyper rare que ça m'arrive, mais je pense que c'est parce que je me suis couchée trop tard hier. J'ai bossé sur ma formation jusqu'à plus d'une heure du matin, j'étais motivée. Et ce matin, du coup, je me suis dit, bon bah j'ai faim, je vais me prendre un petit déj. Et j'ai une folle envie de pain de seigle, trop bizarre. Donc je sors, je vais à la boulangerie pour aller chercher mon pain de seigle. Il n'y en a pas. Du coup, j'ai pris du pain complet. J'aimerais me prendre 3 tranches, mais je vais les peser quand même parce que c'est traître le pain. Hop. 52. Du coup, je vais les manger avec 2 œufs. Moi, j'aime trop les œufs quand le blanc il est cuit et que le jaune il est cru. Enfin, un peu comme les œufs à la coque, mais j'ai pas les trucs pour les porter. Bref, je vais me régaler avec un petit thé à la menthe et avec un morceau de sucre dedans.
Bah, je me reprends une petite tranche pour manger le jaune qui reste parce que oh, c'est trop bon ça, moi j'aime trop. Ce midi, c'est une tranche entière de jambon. Dans ma crêpe. Miam miam, bon appétit. Je viens de capter que j'ai pas filmé, je vous ai oublié. Bon, mon fils a fait des cookies et ils sont trop trop bons. Du coup, je me suis jetée dessus. J'ai fait une photo sur Instagram, donc je vous montre à côté. J'en ai pris deux. Mais je sais pas si je vais réussir à m'arrêter à deux. C'est divin, c'est trop bon. Oh là là. Bon, c'est parti pour la pesée. Ah, oh, j'aime trop l'odeur de la pâte à modeler, je sais pas pour vous. Ah, oh, et ce t-shirt là, regardez-moi ça, comment il est déjà déglingué alors que je l'ai porté genre deux ou trois fois. Vive Chine, Chine, Shane, je sais toujours pas comment on prononce, mais franchement, c'est pas de la qualité. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, ils m'avaient proposé un partenariat, mais je ne suis pas sûre que c'était vraiment eux. Enfin, ça sentait plutôt l'arnaque en fait. Bref, du coup, j'ai décliné. Alors, la pesée, donc 500 grammes. De moins sur la semaine, ça c'est cool. 300 grammes de plus par rapport à la pesée au bilan de ce mois-ci, donc du 6 octobre, c'est-à-dire d'il y a 3 semaines. Ça c'est moins cool. Bon alors je suis persuadée que ça vient vraiment de blocage psychologique. C'est moi qui me freine toute seule, j'en ai déjà assez parlé dans le vlog. Là je suis repartie sur le comptage calorique, je vais pas compter mes calories toute ma vie. Mais je pense que ça va bien booster quand même pour perdre mes derniers kilos, donc je vais rester là-dessus. D'ailleurs je vous mets ce que j'ai calculé là depuis que j'ai repris. En plein milieu de semaine, donc j'étais autour de 2000 calories, je crois que j'ai fait 2200 le premier jour, après j'étais à 2000 calories à peu près le reste. Sauf hier, bah, j'ai pas filmé ensuite parce que j'ai complètement craqué sur les cookies qu'a fait mon fils, ils étaient trop bons, divins. Et c'est ça le problème avec les bonnes recettes, c'est qu'on n'arrive pas à se raisonner. Alors déjà, faut savoir que moi quand je fais des cookies, je fais des petits cookies, j'essaie de faire des petites boules parce que je sais que c'est hyper calorique, mais là c'est mon fils qui les a faites. Et il avait fait des grosses boules. Je les ai pesées les boules, elles faisaient à peu près 40 grammes chacune. Donc sachant que c'est hyper calorique, il y avait quasiment 1000 calories de cookies dans ce que j'ai mangé hier pour 5 cookies. Parce que je sais que j'en ai mangé 5. Voilà, petit craquage d'hier. Donc j'ai fini à plus de 2600 calories hier. Et la pesée aurait été plus cool je pense ce matin si j'avais pas mangé ces 5 gros cookies hier. Mais je suis quand même très contente de ces moins 500 grammes, surtout que bah, ces derniers temps, bah, j'ai tendance à ne plus perdre de poids. Voilà, donc j'ose espérer que le comptage calorique va me rebooster tout ça pour bien finir ma perte de poids, parce que bah, il faut que j'aille jusqu'au bout maintenant. On est parti pour dégommer les derniers kilos. Donc il en reste 4 et 200 grammes et on y va quoi. Voilà, bah de toute façon, je pense que vous avez pu voir un petit peu au travers de ce vlog mes faiblesses alimentaires, on va dire, hein. Le coca. Très peu de fruits, très peu de légumes. J'étais à la maison pour faire du meal prep. Bon, après, j'avoue qu'en ce moment, franchement, je suis tellement à fond sur ma formation et comme j'ai les enfants avec moi, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'en journée, j'arrive pas à bosser parce que mes enfants, bah, ils me prennent toute mon attention. Et du coup, bah, je travaille le soir. Mais bah pour avancer, je travaille jusqu'à très tard le soir, ce qui fait que le matin, genre ce matin, vous savez à quelle heure les enfants se sont réveillés? À 6h du matin. Donc autant vous dire que j'ai déjà du mal à jongler entre les vacances avec les enfants et ma formation. Voilà, je vous oublie pas pour la FAQ, je vais trouver un moment pour la faire, c'est promis. Mais bref, tout ça pour vous dire que bah, du coup, j'ai pas fait tout ce que moi j'avais prévu de faire de mon côté. C'est hyper frustrant, mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais à l'essentiel, je vais à mes priorités et il faut vraiment que j'avance sur ma formation parce que bah, vous savez que j'ai du retard, même si je commence à rattraper un petit peu parce que je bosse beaucoup, mais quand même... Bref, je fais ce que je peux et c'est pas évident. Bon, ce qui est bien, c'est que au moins j'essaye de faire le deuil un peu du corps parfait, de la minceur, ce qui m'enlève quand même une pression d'aller trop loin dans ma perte de poids, donc ça c'est cool. Mais ça n'empêche que il va vraiment falloir que j'y aille, je pense que le comptage calorique va vraiment m'aider, d'ailleurs ça va me permettre de voir... à combien de calories je perds du poids, à combien de calories je peux stabiliser mon poids, je sais pas trop encore, parce que c'est pas sur une journée qu'on peut juger, donc il faut vraiment que je compte mes calories sur plusieurs semaines pour pouvoir en tirer des conclusions assez objectives, on va dire. Et ça me servira pour ma phase de stabilisation, au moins au début, essayer de cadrer un peu le truc, de savoir, voilà, tel quota calorique je stabilise. Ça va me servir aussi pour faire la transition entre la fin de ma perte de poids et le début de la stabilisation avant de repartir dans une alimentation plus ou moins intuitive. Parce que c'est bien mon but au final, c'est de manger mieux et de manger intuitivement, mais ça se fait pas du jour au lendemain.
Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que je me suis rattrapée de mon absence de la semaine dernière. Et je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve mercredi prochain dans la FAQ réponse à vos questions, que vous pouvez d'ailleurs encore me poser sous ma dernière vidéo, où je vous dis merci. Sous cette vidéo-là, je vous invite à poser vos questions et la vidéo réponse à vos questions sortira mercredi prochain. Dimanche prochain, il y aura aussi un vlog et on va essayer de pas de manger forcément mieux parce que je vais pas me prendre la tête de ce côté-là, du moins jusqu'à la fin de ma perte de poids, parce que là ma priorité du coup c'est de dégommer mes derniers kilos et je vais me concentrer sur le comptage calorique. Je pense que ce sera déjà largement suffisant et après on travaillera l'alimentation, parce qu'il faut aussi que j'améliore mon alimentation, mais pas tout en même temps. Bref, le vlog est terminé, force à vous et à mercredi. The future is now.